Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo de colicotis en compagnie de notre équipe nationale qui n'est autre que carte à jouer. Donc en face nous avons un Yop 84 et un enfin non, de notre équipe et un Sacri 60. Et contre nous avons un SRAM 70. Attendez, je vais dire, je veux aller là. Ah non, c'est bien là. Un SRAM 70, un Zobal 64 et un Ossa 173. On va essayer de l'outplay directement. On y va à la roulette. 300 force, c'est parfait. C'est pas les bonnes sorts. Bon voilà, on lui met la bite dès le premier tour. Pauvre gars, il aura pas encore joué, il est déjà à 300 PV. Et voilà, comme ça on commence très fort. Donc on se retrouve pour le colicotis, donc jour numéro 4. Déjà, oui, donc il n'y a pas eu de... Oh, il tue son allié. Il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques jours parce que c'était le week-end. Et le week-end, vous le savez, hein, j'ai pas souvent le temps de faire des vidéos. Et au final, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Donc bah, je me suis dit que ça attendrait bien lundi. Donc là on est le 26 pour ceux qui veulent savoir. Donc alors la question pour demain, enfin pour le prochain jour, nous est proposée par alors Kraus de Pushko, donc alias Red Fox. Je fais le screen pour mettre sur la vidéo. Voilà. Vous avez entendu le petit bruit habituel. Qui nous demande que... Attends, vous faites quoi seul chez vous? Nos explications. Enfin voilà. Il nous demande quand vous êtes seul chez vous, ben, qu'est-ce que vous faites de plus que quand il y a des gens qui sont pas là? Enfin, si vous mettez la musique à fond, des trucs comme ça, je sais pas moi. Si vous geekez toute la nuit, je sais pas du tout ce que vous pouvez faire chez vous. Moi perso, ça arrive souvent que je sois seul chez moi, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, enfin qui arrive toutes les X années, donc... J'aurais pas vraiment à vous dire. Bon, le SRAM, il a plus que 93 PV, le pauvre. Homme Orlov, c'est lui. Donc il doit être pas loin. Attendez, il s'appelle comment le SRAM? Nice. Donc, on va poser le chaton, la perception. Oh, le sac qui abandonne. Voilà, des syndicats flip. Merci d'être venu, au revoir. Donc voilà, on est au deuxième tour, on va déjà avoir fini. Ça, c'est un peu abusé, c'est la vidéo limite expéditive, mais ça, c'est pas ma faute. Hein. Je vous ai dit que je prendrais les combats de colis comme ils arrivaient. Donc là, en plus... le SRAM qui meurt mais qui est toujours sur la map, c'est pas mal, ça c'est un beau bug. Et donc alors niveau des réponses, il y avait attention, bombe atomique qui nous dit 2 à 4 heures, entre parenthèses gros geek, par jour. Hein, donc enfin la question c'était combien d'heures jouez-vous aux jeux vidéo par jour. Donc c'est quand même pas mal. Iltain, je sais pas comment ça se dit. Attendez, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, je sais pas comment ça se dit. 12 heures, les bras dans le plâtre, je fais mes cours sur PC. Ah d'accord, pas mal ça. Sudiste le rageux, ça tourne toute la journée et toute la nuit, ça dépend quand j'ai envie de dormir. Mon avis, tu ne dors pas souvent, j'ai l'impression. On va continuer. Voilà. Ils sont un peu outplay, les pauvres. Voilà, ils veulent mes trucs 3 tours. Merci d'être venu. On passe niveau 102. En plus, c'est parfait. Oh là là, ce viol qu'on leur a mis. Attendez, on est par champ en terre. Hein, oui.
Voilà, ça fait 1 en plus de force. Est-ce qu'on avait des points de sort, des sorts à monter qu'on avait prévus? Je ne pense pas. Enfin, si la perception, mais on n'a pas encore le niveau. Ah bon, on a un combat juste derrière. Si le combat se lance, je veux bien le faire avec vous. Parce que vous êtes gentil, que ça a duré que 5 minutes. Mais faudrait qu'il se lance. Alors, chi... Non. Schizophrénie. Schizophrénie. Ah ouais, d'accord. Oui, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Enfin, ça, c'est pas grave. Semaine, 5 heures. Et le week-end, 15 à 20 heures par jour. Il y a des gens répondant. Ah ouais, chaud, le mec. Alors, en face, on a un nini 88, un sacré 67 et un roublard 77. C'est bizarre qu'on ait des aussi bas niveaux par rapport à nous. Mais bon, on n'en peut rien, c'est pas ma faute. J'ai combien de cotes? 323, ouais. C'est vrai que pour le niveau, c'est pas énorme. Oh, ils en ont un qui live. Oh, c'est pas vrai. Alors, il y en a un qui nous dit, il sert à quoi les Dofus? D'accord. On va se booster bien comme il faut. Ouais, allez, soyons fous. On met tout. Le chaton qui nous protège, ça c'est bien. Espérons que j'aurai assez de PM. Normalement. Normalement, oui. Ouais, je devrais pouvoir aller taper les nids contre le mur, ça c'est bien. Oula. Pareil, c'est mieux. Donc il va me booster. Fais pas ton matin, tu risques d'être choqué. On verra. Là comme t'es là, si je fais un bon tour, il y a moyen que je la one shot. En plus, je suis bien boosté. Le sacré est moins 50%. Oh, ça je m'en fous, perso. Allez, bouge. C'est vrai que c'est beau, un sacré plus séni. Mais bon, contre un Niken niveau 101, vous allez être un peu déçu. Elle a fait mot de préve. Bon, ça au pire. Voilà. Un peu déçue la fille. Elle dit plus rien. Oh, c'est dommage. Alors, The Nutcrash nous dit ça dépend, environ 2-3 heures. C'est à peu près comme toute personne qui joue à des jeux vidéo, j'ai envie de dire. Donc il reste contre des murs, il n'a pas gardé. Il n'a pas retenu la leçon. Oh oui, tu vas prendre tellement cher. Si j'arrive à aller à son cac, on va prendre Bagdad. En plus le lapineux qui lui bloque le chemin. Ah non, c'est bon. Il faudrait que la Yopette vienne un petit peu m'aider. Non, on fait un bond. Allez, fais un bond là. Voilà, parfait. Comme ça, il sait pas me tacler. Enfin, il sait pas venir sur moi. Et moi, je peux aller sur les nids. Et comme ça, je peux le terminer. Ta-ta-da. Ah bah si. Il va quand même. Il va la protéger. Mais tu vas prendre cher. Viens sur moi, tu vas prendre des dégâts. Va sur elle, tu vas prendre des dégâts. Il a choisi de prendre des dégâts. Tant mieux. Il la met tellement dans la merde. Pauvre sacré, il sert absolument à rien là-bas.
Mon Dieu. Il me dit quoi? Ramasse tes PV. Bah oui, il fait mal, mais bon. Je pense pas que le sacré va réussir à me tuer. Puis il y a la Yop qui peut m'aider. Et puis prochain tour, je ferai contre-coup et tout le bordel. Ça devrait aller. Le type, il est un peu... Alors, Just Co for Gaming qui nous dit 24 heures et 1 minute. Mais t'as précipité. Voilà. Mais non, t'as pas en zone. Là, c'est pas grave, mais bon. Ah, elle s'en rend compte. Nickel, ça. Bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, mais bon. Ah oh oui, reste là. S'il te plaît, reste là. Qu'est-ce qu'il fait? Ramasse tes PV, ramasse tes PV, excuse-moi, mais... Alors, ça dure combien de temps le sacrifice? C'est déjà fini. Bon, est-ce qu'il va faire un move de génie? Parce que pour le moment c'était pas terrible. Pauvre petit sacré. Ouais, il a compris à quoi on va se révéler le sort, ça c'est bien. Alors, on se soigne. Il est où le lapin? Il est là-bas. Voilà, le chaton va pouvoir nous soigner un petit peu. Voilà, on remonte à 800 et il peut la taper. C'est pour ça en fait que je me suis rapproché et que je l'ai balancé contre l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. William Lalache, Lalancette nous dit 10 heures de jeu par jour de Dofus. Pas mal. Tensa Optique 6 heures je pense. Il y en a un qui nous dit, moi je dis avec Capi on a une team de 4 levels. Si ça, ça dépend entre 2 et 3 heures. Maverick Thierry, 8 heures par jour. Lucas LJ, 3 heures par jour. Et Yona Nila de Huilette nous dit 3 à 4 heures par jour. Et voilà, c'est déjà fini. Donc voilà le sacré qui va prendre cher. Et normalement, les nids devraient tomber à la fin de mon prochain tour, parce que à moins que le sacré me tue, je vais le pousser contre le mur et puis je vais venir finir les nids. Oh, sympa. Le gars qui l'outplay complètement, il le soigne. Oh putain, le pauvre sacré, il aura rien fait du combat. Et voilà. La petite normalement qui devrait terminer après le chaton. Et voilà, on aurait deux victoires le même jour. Bon, il y a eu un livre d'un côté et un one shot de l'autre. On est d'accord. Il tape dessus. Bon bah il voulait pas taper dessus. Eh ben GG. On va pas se réinscrire. Voilà, on est déjà à 53% du niveau 103. Donc c'est déjà pas mal.
On aura pas mal XP, je trouve aujourd'hui les combats sont un peu dégueulasses, mais au final c'est 2 victoires, donc voilà. Donc je vous rappelle la question de demain. Qui nous est proposée par Red Fox, enfin Red X Fox, donc Kraus du serveur Pushko. Que faites-vous quand vous êtes seul chez vous? Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Dofus ou sur League of Legends ou sur, encore sur un autre jeu, je ne sais pas. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao! I'm not the one who's always right.